Gros pression de l'eau, tout de l'eau peut depuis Piton, depuis dans Carocan, depuis là, et de l'eau labou encore. Il commence à rentrer dans la case, nous besoin évacuer tout le monde du monde, et non, rien nous pas encore tiré. Sofa, Lidi, télévision, du monde, tout ça que vous pensez, électroménager, tout est fini gâté. Pour manger, nous n'avons pas gagné de problème. Il y a une solidarité qui est venue. Comme je disais, il y a une global healing qui est venue. Je ne peux pas t'en manger. Il y a un drain dans le Cannes. Il y a un drain qui est ancien. Ben ministre, sur autant tu fais ce drain là, pas tu récit complété. Ce drain là, je ne fais depuis Mapou pour lui aller sortir jusqu'à Poudo. Mais ce drain là, il reste un petit morceau pour aller compléter, pour aller dans la rivière Poudo. Ça pas une complété. Ça qui peut cause sa accumulation d'eau là. Après, il peut venir dans la cour ici, côté. Et puis, à ce là, que l'établissement, ça qu'il fait. Longtemps dans l'établissement, pas tiens à irrigation, pas tiens à non rien. Aster, tabissement dans l'irrigation et tabissement sur la tête dit plein aster. Pena rose, pena non rien. La cause de l'eau là pas accumulé là-dedans et il pas vivre ça de l'eau là. Il peut avoir refoulé tout ça de l'eau là ici. Arrangement drain, vous connaissez, ben la peut faire lui. Mais ça drain là, ça qu'ils ont fait ici, lui, juste pour un petit appli. Pas pour une inondation, il n'est pas capable de faire un drain comme ça. À moins que ça drain qui est là, il fait là, vous avez besoin de mettre ça dans la rivière Poudo, l'air là, il peut suffire pour capable. Diminuer sa inondation là. Nos problèmes, c'est un drain qui s'est commencé par l'équipe travailliste et une arrêté en 2014 par sa récent gouvernement. On va essayer d'arrêter, soit de continuer le projet là. Mais l'escalier, ça projet là, pas de continuer. Voilà que Jody nous paye la conséquence. Et je remercie bon Dieu encore une fois que sa inondation pas de mine à soi. Si ça, tu peux à soi, tu prends beaucoup de cadavres, tu peux sortir. Moi-même, ça joue inondation là, moi, la maison, moi, congé, ça joue là. Mais mon récit, ça beaucoup de monde, je prends la côte, mon altier du monde, qui ne sont pas noyés, pas perdu la vie. À chaque fois, nous pouvons faire confiance avec le gouvernement qui peut faire un projet qui pour nous, qui déloue pas pour venir ici, mais en vain, pas peut faire non rien. Get ça fait la quatrième fois, mais la cinquième fois, cadavre pour sortir. Ça, c'est sûr ça. Voilà, get mon loto aujourd'hui, l'assurance est déclarée totale. Mon assurance machine, 450 000. Mon papa gagne mon argent qui besoin gagner. Mon assurance loto, et moi, mon ricasse, mon loan mutual aid. Mon camion, dès l'une rentrée, mon frère, sur un camion, a un problème, mon voisin, dès l'auto, il est endommagé. En 2013, quand il y a une flash, plusieurs régions de l'île Maurice sont affectées, et là, je commence l'Emergency Procurement Programme. Et dans ce programme-là, sur ce programme-là, nous faisons faire beaucoup de travail. Ici, en ce qui concerne Côtèze, cette région-là, moi, je me rappelle, nous tenons des work soldiers qui nous ont tirés. Et ce work soldier-là, nous ont tiré. Le premier work soldier-là, c'était le 29 avril 2013. Ça, c'était dans le cut-off drain depuis Mapou, à travers Côtèze, jusqu'à Bassin Gaumont. Bassin Gaumont, ça, c'est Poudo Village. Il y a un long drain. Ce n'est pas un petit drain, un long drain. Et ce valet work soldier qui nous a donné, c'est 46 843 150 000 roupies, à peu près 150 roupies. Une phase est déjà complétée. Et phase D, c'est un cut-off drain depuis Mapou, à travers Côtèze, jusqu'à Bassin Gaumont. Ça, c'était 47 507 000 roupies à peu près. Et ça, malheureusement, sa phase-là, pas fini faire même. À peine une dépense un petit peu de l'argent, travail préliminaire a commencé, mais il gagne stop order quand nous, gouvernement fin faire perdre du pouvoir en décembre. Et c'est janvier qui gagne stop order depuis Prime Minister's Office qui contrôle NDU. Phase D, pas fini faire. Et si ça, tu peux finir compléter, je vous dis. Par exemple, tout ça de là, tu peux aller vers Bassin Gaumont, c'est-à-dire à Poudo Village, problème, pas tu peux du tout. Les stop orders finissent arriver. Et puis ça, ben, beaucoup de monde plaignent de dire de l'eau qui peut sauter pour partir Mont Piton, c'est ça qui peut noyer ici. Mais là, vis-à-vis District Court Mapou, nous faisons des arranges en retaining wall. Et il y a un pont que tu peux ranger, ce valet c'était à peu près 4 millions de roupies. Et ça, de l'eau qui saute Mont Piton, tu peux passer dans ce pont-là. Et ça, après ça, tu peux rentrer dans le drain Mapou qui tu peux aller vers Poudo Village. Malheureusement, ce travail-là aussi, pas fini de faire. Raison pour laquelle que toute sa quantité de l'eau-là qui vient descend de 30 de côté, de Noaï côté, et en partie Mapou, et en même temps Piton aussi. Alors, en grosso modo, c'est ce que je veux dire, qui nous tient là, work order qui est fini, issue.
fini le work soda, travail pas fini complété, et il y a une lettre nette et claire qui finit saute depuis NDU, côté indien, travail bien arrêté. Ça, le programme, le premier ministre, même, acquise NDU, tu peux dire, NDU, un pourritir. Mais les malheureux, maintenant, gaz comme ça, et aujourd'hui, vite en coûte, la gauche a une décision irréfléchie, les habitants peuvent souffrir. Nous avons gagné la monnaie de 10 millions. C'est la monnaie que nous avons gagné pour un travaux, hein, pas pour n'importe quelle affaire. Nous avons gagné pour travaux, pour nous agrandir ce terrain qui est arrêté là, pour nous continuer. Et nous avons pensé pour continuer, car jusqu'à la semaine prochaine, nous avons suivi un procédé avant d'aller avant. Et pour 1,4 km, ça c'est un point provisoire, parce que c'est un grand travail ça. C'est un terrain là qui peut aller, il peut pour l'eau. Une longue distance, parce qu'il n'y a pas d'un athlète là, de nous, il n'y a pas d'arrivée. Et là, nous avons fait 1,4 km, et après tout le monde qui est abîmé, nous pensons que nous pouvons rétablir. Parce que ça, c'est un chemin qui s'appelle le Rassomi Road, complètement délabré. Drain-là qui déjà existait avant, il est là après un certain temps qui ne continue de travaux là. Qui raison, moi, je ne sais pas si. Bon, voilà, c'est un projet NDU, ça. Moi, je pense que ça. Ce qui m'en apprend quand tu fais un drain là, c'est connecté qui travaille dans l'air. Ce qui m'en apprend, il faudrait ça confirmer. D'accord, et comment le travail finit commencer en ce moment? Et lundi prochain, lundi ou mardi. Voilà, une procédure bien suivre, une cotation, un procureur. Mais tout nous est fait là, on pense que c'est un procès de commencer. Nous bien commencer parce que. Voilà, là, nous dans une saison, vous connaissez, une mauvaise saison là. Là, nous allons jusqu'à mars, avril, et nous allons, comme on dit, faire un travail temporaire pour tout, pas de problème. Et quand pensez-vous qu'il y a une fin à peu près? Non, nous parlons vite. Vous serez le dernier travail? Non, avant d'aller, nous allons faire un travail à nous. Nous parlons vite d'un. Si Prem Boudas Elaya a évoqué un budget de 10 millions de roupies, le Conseil des ministres a finalement décidé le 14 décembre de débloquer une enveloppe de 70 millions. L'argent servira entre autres à construire de nouveaux drains et des bassins de rétention des eaux.